Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 15e épisode en Let's Play Live sur Chrono Trigger. Dans l'épisode précédent, on a été au château de Magus, le méchant. Et donc voilà, on a affronté un de ses sbires. Donc là, on va continuer de visiter la deuxième partie du château. On va les esquiver, on les a déjà affrontés. Si je peux éviter cela aussi, ce serait pas mal. Comme je me suis soigné, j'ai pas envie de me refaire toucher. J'espère que vous allez bien. Oui. Dans ce cas, tu joueras avec nous. Allez, s'il te plaît. La magie, ça a l'air d'être des fantômes. On va essayer ça, mais je pense pas que comme le coup de langue, ça va être une attaque physique, je pense pas que ça marche. Non, ça ne marche pas. Ça va, ils sont pas très forts. On va pouvoir voir le trésor, ce qu'il y a dans le coffre. Tu as barrière. Barrière qui me sert à... Je ne trouve pas. Ah si, il est là. Il vise qu'aux magies par un tiers. Là, ça peut être cool. Ça peut être cool pour les combats si on affronte un gros magicien, tout ça. Princesse Nadia, j'ai eu tort. Revenez au château. En tant que cadavre. Bonsoir Norak, bienvenue. Je poursuis mon aventure sur Chrono Trigger. Ça fait plaisir de te voir. J'espère que tu m'entends bien, j'espère que le live ne lag pas trop. Parce que je pense que t'as à peu près la même météo que chez moi. Un temps un peu dégueulasse. Frog, vous êtes sauf. Nous allons y remédier. On va voir les trois. On va faire que les deux du haut. Comment vas-tu, Anorak? Mince. Je vais attaquer un gros sur le côté, mais... J'ai mal ciblé, j'ai attaqué la chauve-souris. Un petit coup critique, ça fait plaisir. Et eux, ils sont morts.
Ça c'est cool, il rapporte pas mal d'expérience en plus. C'est clair que le vent il est assez impressionnant là depuis hier. C'est un peu la catastrophe. Hop, on se soigne un peu. Chrono, tu étais donc là depuis le festival, j'étais inquiète. De tels garnements méritent d'être punis. Ah, j'aurais pas dû les. Trop loin. Ouais, dans ce cas-là, on va. Ils sont juste à côté de l'autre. On peut pas faire cyclone. Si on peut pas faire cyclone, on va attaquer celui du milieu. Là, il nous tape un peu fort quand même. Je vais devoir me soigner après. Bon, là, je fais vraiment un petit live. Je vais essayer de faire un petit stream, ouais, d'une demi-heure, une heure. Profite d'un petit instant de calme. Petite montée de niveau pour Marl. J'aurais peut-être dû soigner avec Marl. Désolé. Les petites sonneries. Je vais quand même utiliser pas mal de remèdes alors que j'en avais 99 avant le début du live. Le magicien Fléa, je présume. Elle, on va remettre de la vitesse. Ah d'accord, l'autre il m'a bouffé mes MP quoi. Attendez, ce n'est pas Fléa. Où est-ce le vrai Fléa? Ah, ici, juste ici. Tu m'as bouffé mes MP. On abandonne petit étard. Qui est-elle? Reste en garde, ce n'est pas une femme ordinaire. Faites la connaissance de Fléa la magicienne. Quoi? Eh, je suis un mec. C'est un mec? Homme, femme, quelle est la différence? Le pouvoir est beau et j'ai le pouvoir. Pauvre petite grenouille, tu dois être seule depuis que Sirius est mort. Être changé en quelque chose de si laid, si immonde. Et comme tu as amené de nouveaux amis pour jouer, je vais vous divertir. C'est cool si je te divertis un peu avant d'aller manger. Bah, d'ailleurs, je sais pas encore ce que je vais manger ce soir, mais. Thank you.
Oh mince, ça a mis Marc. Ce sera bien que Marl a se réveille. Elle arrête sa confusion. Tempête, arc-en-ciel, poison. D'accord. Allez, on a vraiment après Marl. On va faire une vitesse sur la grenouille. Après, il faudra que je me soigne et que je me guérisse du poison. Ouais, faut vraiment que je me soigne avec guérison, soigne un allié. Bon, par contre elle est relou la fléa. Remettre 2 sur Frog. Objet, remettre 2 sur Chrono. Objet, remettre 2 sur Marl qui va utiliser Pic vitesse sur elle. Objet, remettre 2 sur Frog. Attaque, tac, technique, guérison sur Chrono. On va prendre notre temps pour bien, pour pas se tromper au niveau des attaques. Le petit critique qui fait plaisir. Ah, par contre j'ai pas vu que Frog était empoisonné. Objet, antidote sur Frog. Ah mince. Objet, antidote sur Marl. Objet, antidote sur lui. Toi tu vas attaquer. Un petit critique. Combinaison, guérison sur elle. Attaque, attaque. J'essaye de me concentrer un petit peu. Ok, c'est gagné. Il gils, c'est cool. Comment se peut-il, Messire Magus? Bon, ça va, on s'en est bien sorti. Ouais. Tu as table magie. Qui sert à... J'en ai aucune idée. Magie plus 1. Je vais le mettre à chrono. Hein. Par contre, j'ai pas de... J'ai pas de point de sauvegarde. Et je sais pas si je pourrais retourner dans l'autre côté. Technique de Marl. Guérison sur
Ok. Là, tout le monde est soigné à fond. Item. Merci pour les GG. Ouais, ça, les altérations d'état, c'est un peu chiant, mais bon. Si on prend notre temps, c'est à peu près simple. À peu près. Bien soigné, bien. Je pense que utiliser la vitesse, c'est pas mal aussi. Par contre, non, je vais pas cliquer tout de suite là. Ça pue le piège, donc je vais retourner sur l'autre point de. L'autre point de sauvegarde qu'il y avait ici. Et voilà, les magiciens avec les altérations d'état, c'est toujours un peu relou. Alors peut-être que je me suis pris la tête là à revenir dans cette salle là pour rien, mais. Je sais pas, ça sent le piège, ça paraît vraiment trop simple qu'on nous mette un point de sauvegarde comme ça en plein milieu. Ok, en fait, c'est même pas un point de sauvegarde, c'est un téléporteur, quoi. Alors, on nous indique même pas, on nous dit, tiens, ça, à partir de maintenant, c'est un téléporteur. Monsieur le partisan, vous auriez pu mourir avant de. Oh. Chrono, il fait un coup critique. Direct. Ah, j'aimais beaucoup Square à l'époque. Pas tout à fait à l'époque, mais. La période après, quand Final Fantasy est arrivé en France, j'ai. C'est à ce moment-là où j'ai découvert les RPG. Pas vous attaquer, bon bah moi je peux pas. On va se débarrasser des petits. En tout cas, le jeu est très cool pour une découverte, j'aime beaucoup, même si j'ai un peu galéré pour Masamune là au début, mais ça c'est vraiment cool quoi. Je vais pas attaquer du bon côté. Et Frog qui fait un petit critique, c'est formidable. Un peu d'argent. Là, je vais me soigner un petit peu tout le temps. Parce que je me dis qu'il y a probablement Magus qui va nous attendre à un endroit. Ah. Pourquoi je peux pas faire cyclone sur plusieurs cibles là? C'est pas éclair. Ah ah ok, je le soigne. Merci. J'ai pas fait sur 3DS, j'ai pas la DS en fait donc. Donc forcément c'est moins pratique pour le faire sur des sur la console quand on l'a pas. Je me fais toucher comme un blaireau parce que j'ai pas attaqué le bon monstre tout à l'heure. En tout cas, ils me font pas mal de dommages, les monstres. Mais là, je vais vraiment me servir de Marle plutôt en assistante que pour les plutôt que par rapport aux attaques. Faire autre chose, technique de Marle.
ça me coûte rien. C'est vrai que ça me coûte rien en mana alors que à chaque fois j'utilise des objets quoi. Alors cette technique là cyclone ça devrait fonctionner sur les deux du bas, non? Hop là ça fonctionne. Attaque. On va attaquer les deux sorciers. Comme ça ils pourront plus se soigner après. Bien joué critique. Le deuxième sorcier. Oh le boulet il reste. Il reste 3 points de vie, 5 points de vie. En tout cas c'est cool, chrono il fait toujours les contre-attaques mais... Ouais, une petite contre-attaque ce serait cool. Non, pas envie. Le petit critique, qui le tue direct. Là j'ai pas eu l'occasion de le faire sur DS. Je pense que les graphismes avaient dû être un peu améliorés. À moins qu'ils aient repris la version Super NES mais... Technique, de Marle, Cora. Tu as une robe. Est-ce que Frog il a une veste? Ça c'est cool. Est-ce que je me soigne? Est-ce que je soigne ma magie? Ouais, il manque 6 points et 6 points. Pas vraiment d'utilité. J'en ai assez. Slash! Fléa! Désolé-y, mais ils ne pourront pas venir. Mangeur de mouches, langue de crapaud. Oz. Aussi dans le pétrin. Tu ne peux pas t'enfuir. Le lâche. Bienvenue. Tu as une côte noire. Petit écran, donc on avance plus. Enfin, tu parles de l'écran de la DS. Ah ah, commence. Ok, donc là il va un peu plus vite. Que impossible. Ok, ça c'était vraiment pas dur à passer. Un doigt. Ok, j'ai un doigt. Ah ok, ça c'est pour le robot. Ça baisse. Et la robe. Ça baisse de 22 points. C'est énorme, 22 points de défense en moins. Là, je crois que Breath of Fire 2 est gratuit sur la... Enfin, gratuit.
Elle est gratuite sur la Switch si on prend l'abonnement des maths. Ah oui, il faut l'utiliser à magie, boulet. Par contre, j'ai cru que Frog s'est blessé. Alors, peut-être que c'est une hallucination visuelle, mais. Non, c'est une. J'ai les yeux qui ont dû faire un truc bizarre, mais. Là, je crois que Breath of Fire 2 est disponible sur la. Sur la. Sur le catalogue gratuit de la Switch. Mais après, je crois que le problème c'est que tous les jeux sont en anglais sur le démat de la fin sur le catalogue de la Switch. Et ouais, je crois que t'as un petit catalogue SNES qui est pas mal sur la Switch quand tu prends l'abonnement online. Voilà, après faut faire attention, mais d'ailleurs je suis même pas sûr que Breath of Fire 2 ait une traduction française. J'ai vraiment le doute là-dessus. Ouais, 10 points de vie, ouais. 10 points de vie ça peut compter, allez. Un lapis, on va regarder ça après. Un éther. Alors. Petite table magie, j'ai vu le truc qui clignotait. Une barrière. Une tente. Alors. Le lapis, il sert à quoi? Restore 200 PV pour tous, ça c'est cool. Table magie, bah on va remettre à chrono. Alors, où aller? J'aurais dû faire un cyclone. Ok, bien joué les gars. Enfin les gars et la fille. Pas de discrimination ici. Ok, donc ça c'est un point de sauvegarde. Ok, ça c'est un téléporteur. Bah, je vais retomber. Non, tu veux pas retomber dedans. Je voulais faire le combat, mais. Ouais, je savais même pas que tu vois le Breath of Fire 3 de PS1 était pas traduit. De PSP était pas traduit. Parce que moi à l'époque, bah, j'ai toujours ma version PS1, donc pour moi il était qu'en français, mais sur PSP je le pensais en français aussi. Un peu résistant ces mini points de sauvegarde là. Chrono apprend, je sais pas quoi, il a appris un truc.
Éclair 2, ok. Ça peut être cool. Un petit critique. Mais ouais, le problème du catalogue online de la Switch, c'est vraiment le fait qu'ils aient pas zoné les jeux, quoi. Parce que récupérer des jeux comme, ouais, comme Breath of Fire 2, etc. en français, ça aurait pu être incroyable. Il est un petit peu relou là le Ozzy, non? Bon, après ça nous fait un peu d'expérience. Ouais, franchement ça aurait été un truc vraiment dingue qui zone le catalogue, quoi, parce que déjà entre tous les RPG qu'il y avait sur SNES, sur NES aussi, les Zelda, les trucs, ça c'est le point de sauvegarde, on s'en moque un peu. Moi j'ai de la chance, c'est que j'ai conservé quasiment tous mes jeux depuis que je suis jeune, donc globalement les RPG comme Breath of Fire 3, etc., j'ai toujours mes versions d'origine, donc j'ai de la chance. Pour moi, ouais, je les ai connus qu'en français, quoi, mais mon 4 par exemple, je l'ai que en anglais. C'est un peu dommage, ouais, qu'ils aient pas zoné leur catalogue par rapport à la. Par rapport à ta zone où tu vis, quoi. Ah, j'avais l'impression d'avoir tout esquivé. En fait, si je marque sur les trous, il fait les dalles. Bon, c'est pas grave. Moi, je pense que là, j'aurais plus de dalles. J'aurais plus de trous dans lesquels tomber. J'ai eu un coup de chance tout à l'heure, mais. Et bah moi Final Fantasy 6 j'ai pas fini, j'ai la version anglaise sur PS1, bah j'avais pas fini à l'époque et j'ai jamais pensé à le refaire. Après je sais qu'il est en je sais comment la, enfin je l'ai en français sur les émulateurs, etc., mais j'ai pas de version française directement. Allez. Mais non. Franchement, il se moque de moi là. C'est pas grave, on va faire une petite sauvegarde ici. Je pensais être enfin arrivé, mais non. Mais non, mais non. Après ça va, pour le moment ils attaquent pas ces petits points de. Ces faux points de sauvegarde, donc ouais, le petit dernier trou. Tu penses être enfin tranquille et non on dit. Au fait, y a un petit trou là. Celui-là c'était le point de sauvegarde, on a dit. On va aller en face. Tant qu'à faire. Autant aller jusqu'au bout des combats. Au pire, ça nous fait de l'argent, de l'expérience. On va refaire une petite sauvegarde avant d'y aller. Cette fois-ci, je pense qu'on va combattre le boss.
un Ozzy, je pense. Parce que je pense que le boss c'est Magus, mais. En fait, là, je me méfie, je me dis, ça se trouve, il y a un autre trou quelque part. Ah, que impossible. Sinon, on aurait peut-être pu l'attaquer. Ah, ok, non, toujours pas de boss. Contre-attaque multiple. Ah, oui, il rigole pas, quoi. Moi, je pensais que ça allait être le boss tout de suite, mais non. On a remis une petite zone, histoire de... Ah ok, défense magique. Oh le boulet. Défense physique, mais bon. Il ne doit plus rester beaucoup de points de vie, donc on va l'attaquer. C'est quand vous voulez pour le tuer, il reste 10 points de vie. Merci Marl pour ton attaque, ça a été génial. Ok, donc un coup il fait défense magique et après il fait défense physique. Bon bah... J'aurais découvert quelque chose. Ok, bah 0, merci. Alors je sais pas si je suis vraiment bon niveau level avec mes persos. Après c'est vrai qu'ils montent pas mal. Je prends le temps de faire des combats. Ouais, niveau 24 pour Chrono. Marl niveau 24 aussi, Frog 22. Ouais, je sais pas si je suis bon vraiment par rapport à la zone. Je pense que oui, parce que j'ai pas eu de difficulté jusqu'à présent, mais... Il va falloir que je pense à me soigner. Mais ouais, pour le moment, je pense que j'ai pas eu trop de difficultés. Est-ce que je suis mort une fois? Je ne sais plus, je crois pas. Bah après, quand on a l'expérience des RPG, c'est aussi plus facile. Par exemple, quand on pense à mettre des vitesses plus sur les persos, etc., c'est un peu plus simple. Mince, j'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre que le rolibombe passe. Il va exploser. Voyou. J'aurais bien aimé que Frog monte de niveau. Ça va être cool. Est-ce que je vais avoir un point de sauvegarde avant? J'en ai aucune idée. Je vais utiliser un petit éther pour... pour Marl. Et je vais utiliser un éther 2 pour Chrono. On ne sait jamais. Oh, des monstres. Pour 2 points de vie, Frog, t'abuses.
Un petit coup critique encore. Et c'est, franchement, c'est rare que j'utilise des améliorations de pour les combats, genre les vitesses, les trucs comme ça. Mais je, enfin, c'est rare que je le fasse par le passé et je le fais de plus en plus en fait. Parce que je me suis aperçu que bah, ça me facilitait les combats, donc, surtout contre les boss. Frog monte de niveau, ok. Oh, encore des monstres. Oh, mais faut arrêter avec les contre-attaques là. Merci Frog. Allez, Marl, tu te débarrasses de lui. Alors. Ok, donc il est en défense physique. Toi, tu vas faire claque. Toi, tu vas faire place là-dessus. En tout cas là, si on veut farmer, si on veut avoir un peu d'XP, la zone s'y prête vraiment parfaitement. Oh, ouais, je vais pas m'embêter, je vais faire un. Je vais refaire une glace. Glace, on a dit. J'ai pas envie de repasser 10 tours à l'attaquer et puis à le toucher de 2 points de vie. Je pense que j'aurai un point de sauvegarde avant le boss. Et en fait depuis tout à l'heure avec Chrono je fais des éclairs, des trucs, alors que j'ai un éclair 2 qui est juste dans ma poche là. Et qui va... Bien joué Boulet. Par contre vraiment classe là, le design de l'éclair 2. Allez, un moins. En fait, tu vois, je me dis là, j'hésite à me soigner et je me dis, il y a des chances que je me tape un point de sauvegarde juste après et que je puisse utiliser une plante. Et je me dis, si je me soigne pas et que je me tape direct le combat de boss, bah je risque de crever. Que impossible! Je crois que t'as plus de monstres. Non, il va falloir que tu te... ça est trop. Une bande. Vitesse plus 2. Est-ce que ça peut être intéressant pour Marl? Ça change pas ses autres points, mais la vitesse ça me la met en plus 2. Par contre le télescope, je crois que ça... Je vais regarder le télescope. Je montre le HP de l'ennemi, non ça je veux le garder. Donc on va le mettre à Frog si...
va regarder ce que ça faisait le gant noir. Pouvoir plus 2. Ah, allez, non, on va lui laisser. Technique de marre, là. On va utiliser aura. C'est pas grave. On va utiliser aura. Je me dis, bah mince, pourquoi je lance pas boulet, il y a un coffre juste devant toi. On va dire que j'ai bien fait de me soigner un petit peu. Un point de vie. Désolé. Hop, allez. Ah oui, ça leur fait rien la magie, c'est vrai. Oh, c'est relou. C'est relou, c'est relou. Bon, un petit niveau de plus pour chrono, c'est ça, c'est bien par contre. Ça, c'est moins relou, mais c'est relou. Allez, un petit combat encore. Bah oui. Alors j'aurais mis 1300 points de dommage. Voilà, ça c'est simple. Donc maintenant si Marl peut avoir une glace de niveau 2, ça pourrait être cool aussi. Je pense que c'est une aile de phénix. On va vérifier mais... Exactement. Allez, dans le doute, on va utiliser un des terres 2 sur chrono. Je préfère, vaut mieux l'utiliser. Ouais, il manque quelques petits points de magie pour chrono, mais c'est pas dramatique. Une robe. Ok, on va aller voir de l'autre côté s'il n'y a pas autre chose. Puis là, comme je vois plein de manivelles, je pense qu'il va y avoir plein de monstres qui vont apparaître. Magie plus 2, ouais. Pas quelque chose de très très passionnant. Par contre, ouais, y a pas un point de sauvegarde là, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on n'a pas eu, mais on est revenu aussi. Ah ah ah, je suis sûr que Messire Magus a déjà appelé des renforts et attend que la Vos arrive.
Je te vaincrai, rien ne brisera ma barrière. Que visez-vous? D'accord. Par contre, il fait vraiment mal. Alors, on va utiliser de la magie pour voir. Hein. Non, bon, la magie, ça ne marche pas. On va attendre. On va attendre un peu pour voir. Technique vitesse sur Frog. Technique, qu'est-ce que j'ai qui est... Avec tous les ennemis. Attaque croisée X, voilà, clairement j'ai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse. Je sais pas s'il faut que j'attende ou... Parce que si j'attaque je me prends des dégâts donc... Si je fais de la glace, ça va rien me donner. Essayer en taille. Aura sur petit chrono. Et j'ai pas quasiment pas soigné. Ouais, je suis un peu... Je me dis qu'il faut peut-être que j'utilise une attaque de feu et forcément j'ai pas de personnage qui utilise l'attaque de feu. Ah c'est ça, je me dis que... Mais sauf que j'ai pas d'attaque de feu, c'est... C'est un peu particulier. Par contre, il va falloir que je fasse attention, parce que si je leur attaque, je vais me reprendre encore pas mal de dommages. Compétences. Guérison. Objet. Remettre 2. Objet. Remettre 2. On va tenter un éclair 2 peut-être. Ah, ok. D'accord. Regarde où tu frappes, ah ah ah. D'accord. Et forcément le dernier va faire tomber un truc dessus, je pense.
Hé. Et? Ok, d'accord. Toute cette galère alors que je pouvais attaquer les trucs à côté, quoi. C'était un taré. Nous devons nous hâter là où se trouve Magus. Alors, comment je sais lequel est le point de sauvegarde? Ok, bon, ça c'est le point de sauvegarde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une plante déjà. Je vais faire une petite sauvegarde et je vais arrêter là le live. Je te remercie encore une fois, Anorak, d'être passé. C'est vraiment cool de ta part. Je streamerai probablement mercredi en fin d'après-midi. Donc pour YouTube, je vais vous laisser là. Donc on se retrouve très bientôt sur YouTube. Et pour Twitch, je vais vous laisser aussi.